Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous savez, il y a de cela quelques jours qu'une nouvelle influenceuse au nom de Laure Kameni, je vais l'appeler comme ça, nouvelle influenceuse, Laure Kameni, accusait Zizou d'être dans les loges, d'être sorcier, en fait, qu'ils ont trempé pour la célébrité. Dans un direct donc de l'étoile caribienne, Zizou n'a pas manqué de révéler certaines réalités, certaines choses que j'aimerais partager avec vous. Donc, écoutez attentivement ce que Zizou nous raconte concernant ces accusations. Écoutons attentivement. Ouais, venez. Bravo, petit frère. Bravo. Voilà, voilà la réalité des jeunes du Cameroun. Yeah.
Voilà, vous l'avez écouté, c'est le petit Zizou qui se plaint. Il ne comprend pas comment on les traite de sorciers, lui particulièrement. Il est sorcier et l'agent donc de la sorcellerie là donc, qu'est-ce qu'il fait avec? Où est cet agent? Ce que je voudrais aussi dire à certains, c'est que quand un artiste meurt, particulièrement au Cameroun, bon en Afrique, ce n'est pas naturel. Les artistes sont aussi les êtres humains comme tout le reste. Chaque jour, il y a les accidents de route. Les gens meurent. Là, il n'y a pas la sorcellerie. Là, ils n'ont pas trempé. Mais quand c'est un artiste, c'est que l'artiste a trempé. Il n'y a pas de mort naturel chez nous. Donc, c'est aussi un très grand risque de se lever comme ça et dire tel est ci, tel est ça, sans apporter vraiment des preuves palpables. Parce que tout le monde peut allumer sa caméra et raconter n'importe quoi. Tellement on a suivi des choses ces jours-ci. Je suis toujours stressé depuis même le départ de Cabrel. Je ne me retrouve pas. Je suis toujours là comme ça. J'ai comme l'impression que rien ne va. Même mon métier me fait peur. Vous faites paniquer beaucoup de jeunes qui rêvaient ces milieux. Or, tous les milieux, tous les boulots sont risquants. Pourquoi décourager ces jeunes qui veulent aussi se lancer sur les réseaux? Mais tellement, on a tenu l'image de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Maintenant, même quand tu veux me donner quelque chose à quelqu'un, la personne réfléchit d'abord que, et puis encore, si tu t'habilles en bleu comme moi, ou si tu as une voiture bleue, ou si tu as... Donc, tout ce qui est bleu maintenant est seulement maudit. Donc, arrêtez un peu les... Vraiment, vous nous fatiguez déjà un peu trop. Vraiment, c'est de trop. La pression, là, elle est déjà très, très, très forte. Merci de partager cette vidéo. J'espère que vous avez compris le petit Zizou. Partagez au max cette vidéo. Vous avez dit la page est restreinte. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Et si quelqu'un est nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner. C'était le général Franco. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.